Bienvenue, Bienvenue. Yosef Srakavner, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour. Merci au Rav Weiner, Moshe Weiner, de nous permettre d'utiliser le contenant et le contenu pour vous enseigner, pour apprendre nous-mêmes les règles qui concernent les lois de Avodah Zarah, comme ici notamment, Pour les bénés noirs. pour les bénés noirs. Et donc nous sommes dans la règle numéro 14, toujours du chapitre, l'interdiction d'approcher ou d'embellir, de décorer une Avodah Zarah, une idole. Donc des fleurs et des encens qu'ils mettent devant l'idole pour décorer, pour embellir, ils sont considérés comme noy, comme décoration idolâtre, et on n'a pas le droit de profiter ou de sentir des odeurs, des aromates qu'ils vont amener pour l'idole. Et il dit ici qu'il est évident que c'est interdit de sentir les encens qu'ils amènent pour les idoles. D'accord. Là donc, ce sont que des fleurs odorantes qu'ils ont amenées en embellissement, mais les encens elles-mêmes, je ne sais pas comment ça s'appelle chez eux, mais en tout cas, il est évident que c'est encore plus interdit, parce que là, il y a un véritable culte idolâtre, et ce n'est pas simplement à titre décoratif. Donc si c'est déjà interdit de profiter de l'odeur des plantes aromates qu'ils amènent en embellissement, Alors évidemment, évidemment, l'encens elle-même, qui elle est véritablement culte idolâtre. merci, À bientôt. à bientôt.